Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de là où vous regardez la vidéo. Ça, c'est le canal Bola qui est là, qui vient parler de Coupe Brésil, Copa do Brasil qui s'est déroulé sur plusieurs terrains dans la semaine. Avant de nous avancer, nous remercions tout le monde qui est abonné à la chaîne là. Et vous-même qui pourquoi abonner, qui soit obtenu, la plus vite pour vous capable abonner à la chaîne là pour qu'à informer sur toute activité football qui a fait dans le pays Brésil. Et bien, mes amis, je viens de la troisième phase Coupe Brésil là, qui s'est déroulé sur plusieurs terrains, un pile match de jeu depuis mardi soir pour arriver jusqu'à jeudi soir. Eh bien, dernier match qui t'a pas opposé équipe América Natal avec équipe Juventus qui joue casé à ça. Et c'est Monsieur Juventus qui t'a pas recevoir billet qualification pour y disputer quatrième phase. Une quatrième phase qui va gagner 10 équipes qui va disputer. N'a pas rappelé nous que 10 équipes ça yo bénéficié une valeur de 2 millions de reais, une somme qui est capable égale avec 400 000 dollars américains, un bagage qui a aidé l'équipe ça dans le moment de pandémie ça. Et n'a fait nous connaître que chaque phase où passé dans Coupe Brésil là pour consomme cap augmenté pour quatrième phase là que prix a lui-même est déjà fixé à 2 600 000 reais. Et bien monsieur là il va le gonfler venir pour voir comment il est capable de gérer ça parce que c'est un petit compliqué dans le moment pandémie ça ou jeune comme ça la font paquet de bagages pour et surtout dans le moment ça pile club ici dans le pays Brésil gain problème économique. Et bien, mesdames et messieurs, prochaine rencontre, ça va nous prendre au mardi 2 septembre, là, après tirage au sort, quelqu'un pour faire dans le CBF. Là. Et bien, c'est le Sandbal qu'on est qui équipe qui est capable de jouer avec telle équipe. Pendant ce temps, tout, pas oublier, nous avons 3 équipes Rio dans la quatrième phase. Peut-être nous sommes capables de tomber directement sur des classiques, ça que les derby Carioca. Nous avons Vasco, nous avons Botafogo et puis Fluminense. Peut-être dans le tirage au sort, là, nous sommes capables de jouer dans Botafogo. Basco ou bien Botafogo Fluminense ou bien Fluminense Basco da Gama. Donc, attendez pour moi comment on va les avoir. N'a pas appelé nous que 4e phase, la Pékin pour disputer le 16 septembre à 23 septembre. 5 équipes qui ont qualifié pour compléter 11 équipes qui pas joué phase. Parce que il y a 11 équipes ici dans le pays Brésil qui va jouer 1er, 2e, 3e à 4e phase. Équipe ça ou même qualifié directement pour 8e de finale Coupe Brésil là. Une explication plus claire sur les équipes qui qualifient directement pour 8e de finale là, c'est façon ça qui gère l'année ça, parce que 2018-2019 n'est pas comme ça, mais l'année 2021, ils ont choisi pour faire comme ça. Donc, 11 équipes qui qualifient directement pour 8e de finale, on a gagné 8 équipes là-dedans, c'est 8 équipes qui étaient qualifiées pour championnat Copa Libertadores, la 8 premières équipes dans le championnat première division Brésil là, qui étaient qualifiées directement pour Copa Libertadores, et bien l'équipe ça même n'a pas pu jouer première, deuxième, troisième, quatrième phase Coupe Brésil là. L'autre équipe encore qui n'a pas pu jouer première, deuxième, quatrième phase Coupe Brésil là, c'est l'équipe qui était champion dans la série B. Il y a Bragantino, lui-même était champion dans la série B, lui-même n'est pas capable de disputer phase A. Et puis nous gagnons l'équipe Fortaleza qui était champion Coupe Nord-Est ou bien Copa Nord-Est 2019. Pas jouer phase A. Et puis nous gagnons Cuiabá lui-même qui était champion Copa Verde en 2019. Et bien, mesdames et messieurs, c'est 11 équipes ça qui peuvent disputer première, deuxième, troisième, quatrième phase. Équipe ça y a entré directement dans 8e de finale Coupe Brésil. Et bien, mes amis, 11 équipes ça captain 5 équipes qui qualifiées dans 4e phase là. On va citer c'est Flamengo qui était champion en titre. Championnat brésilien en Serie A, nous avons Grêmio, nous avons Corinthians, nous avons Atlético Paranaense, nous avons Palmeiras, nous avons Santos, nous avons São Paulo, International de Porto Alegre, Bragantino qui était champion de 2e division, Fortaleza lui-même qui était champion Copa Nordeste, et puis nous avons Cuiabá lui-même qui était champion Copa Verde. Donc, 11 équipes ça y a entré directement dans 8e de finale, il y a 35 équipes qui ont gagné pour qualifier dans la 4e phase Copa do Brasil. Pour compléter, pour être capable de jouer les 8e de finale. Et bien, mesdames et messieurs, 10 équipes qui peuvent disputer 4e phase Copa do Brasil, ça va bien que 4e phase, elle est compris, qui c'est 2 600 000 reais. Et bien, 10 équipes, ça va être América Mineiro, Fluminense, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, CRB, CRB, mes amis, c'est lui qui élimine Cruzeiro, n'a pas plus que Cruzeiro qui est dans la 2e division, et c'est l'équipe qui gagne plus Copa do Brasil. Nous gagnons Vasco da Gama, Brusque, Ponte Preta, Juventus. D'après après nous, seule une équipe 3e division qui gagne dans la 4e phase, c'est celle Brusque, mesdames et messieurs, qui vivait là. Donc, bagaille là, ce n'est pas un bagaille qui
Ah, c'est surtout mesdames et messieurs. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est là que nous mettons un terme. Nous avons prévu encore pour une prochaine édition. Bye bye. Pas oublier, mon Dieu, pour abonner à la chaîne là.